Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Twitch, c'est Kenzel et nous sommes aujourd'hui sur Star Citizen. J'aurais beaucoup aimé vous faire une vidéo un peu plus, on va dire, substantielle sur le jeu. Par contre, malheureusement, la PTU 3.0 bug énormément chez moi. Donc ici, le but de la vidéo ne va pas être spécialement de vous montrer Star Citizen, mais plutôt de remonter un rapport de bug un peu conséquent du côté de chez RSI. Donc je vous préviens, la vidéo va être vraiment fastidieuse. Hier j'ai fait un essai, c'était vraiment une catastrophe. Entre le keymapping qui répond pas et les connexions serveurs qui me prennent parfois 10 minutes. Voilà, donc ici la première chose qu'on va faire, c'est aller faire un tour sur le Star Universe, puisque c'est un peu le but du jeu. Et on va lancer Crusader. Donc je vous préviens, par rapport à déjà à mon feedback d'hier, la dernière fois, soit ça se connecte pas du tout, soit ça met une dizaine de minutes avant de répondre. Donc comme je le dis, l'idée ici est surtout de faire une vidéo pour RSI et remonter les problèmes que moi j'ai personnellement sur ma machine. Enfin voilà, voilà. Voilà, comme je l'ai dit, on risque d'attendre relativement longtemps, hein, donc je vous préviens, si l'idée que vous aviez derrière la vidéo c'était de regarder du Star Citizen sur la 3.0, passez votre chemin, parce que même quand je vais réussir à rentrer en jeu, j'ai vraiment pas mal de temps dans mon cas, et le keymapping. Merde. Je vois aussi que la diffusion Twitch a tendance à couper. Enfin bref, je sais pas, on verra bien. Pour l'instant, considérez que cette vidéo n'est pas spécialement à votre destination. Alors pour l'instant il faut dire ce qui est, c'est un jeu de patience, hein, parce que grosso modo, en fait je suis jamais sûr de quant à savoir si le serveur va répondre à un moment ou à un autre, ou bien si soudainement, bim, ça va se connecter quoi. Enfin, ou si bêtement il a planté quoi, c'est pas, je veux dire, c'est jamais très clair à ce niveau là. Souvent c'est parce que je perds patience que je fais un Alt+F4, mais globalement je crois qu'il se réussit à se connecter à chaque fois. Avec un peu de chance, on aura aussi un fail au niveau d'authentification avec le serveur, parce que dans ce cas-là, il y a un autre bug qui se produit, qui est une erreur de token sur le choix du serveur. Et dans ce cas-là, il n'y a même plus moyen de se connecter sur le moindre serveur, il y a juste un message où il est marqué « Bad token ».
Ce qui est assez marrant, c'est que j'avais pas diffusé hier sur Twitch, donc dans les faits, je voyais pas qu'il y avait une coupure. Je voyais pas qu'il y avait une coupure sur mon Shadowplay, donc a priori de ce que j'en vois, il y a souvent apparemment Shadowplay qui considère que je reviens sur le bureau. Et ce assez en chaîne avant de réellement lancer le client quoi.